Mesdames Messieurs, bonjour, bienvenue sur 3w Max25.be, la réunion Max25, Mercedes Cachefer à Vervier, cette fois-ci avec une 25, plus ou moins 25 entreprises qui restent presque le fonds de commerce de Max25. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir dans nos partenaires Avia Partners Et concernant Mercedes, eh bien, nous avons présenté la nouvelle Mercedes Cela Shooting Brake, qui est ici à l'arrière, c'est presque une première et de vous inviter, évidemment, à faire le tour de table avec moi pour voir qui est présent. Je vous invite surtout à la réunion, également, le mois prochain. Ce sera pas très loin d'ici, ce sera Aspa Road Vintage Experience pour aller vivre un grand moment de convivialité puisque nous allons organiser une réunion dans les, anciennes véhicules, dans les anciens véhicules et particulièrement dans les anciennes deux chevaux où seront les femmes chefs d'entreprise qui tiendront le volant. À mon avis, on va passer un très, très grand moment. 3 www.max25.be, l'agenda, cliquez, inscrivez-vous on mettra votre entreprise en avant parce qu'il y aura une petite surprise. On expliquera, ce sera plus tard. Là, je m'excuse, mais il faut absolument que j'ai mangé. J'ai vraiment un petit creux. C'est parti. On est installé dans le, le salon d'une CLA. Shooting Brake, c'est quasi une première. Alors, c'est un véhicule vraiment très polyvalent. C'est un Break coupé. Il faut dire que Mercedes est spécialiste pour créer de nouveaux modèles et quelque part des nouveaux concepts. Alors, ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, et puis, je sais ce qui vous intéresse, c'est la déduction fiscale. Ceci dit, monsieur Davin, si vous regardez la vidéo, ça... C'est Peut-être le bon plan, mais je pense tu as bien résumé tout, Christian. En plus, très spacieuse, puisque tu as su rentrer derrière, vu oui. ta taille, c'est déjà, je veux dire, une bonne chose. Euh, ben, Mercedes, perpétuellement à la recherche, je veux dire, d'innovation. Euh, ben, la preuve ici, avec un modèle que vous pouvez voir euh, via le Max 25 en avant-première, puisqu'on le ressort, on va le présenter fin mars. Donc là, ben, on a un véhicule, je veux dire, qui part en shooting break, qui va toucher, je pense, un bon nombre de sociétés. Et on démarre avec une déduction fiscale à 90 ce qui est, ce qui est du, du jamais vu pour un break, euh, avec, je veux dire, des, des, des jantes 18 pouces. On ne s'arrête pas sur du basique. Oui, là, on est sur du 90 avec un moteur, il faut rester raisonnable également, 90 c'est le premier moteur au niveau diesel qui permet ça Deux litres turbo diesel, 136 chevaux. Ah oui, on, donc, on est déjà là sur cette. Ah ouais, oui, oui, on n'est pas plus bas sur les autres, mais ici, on parle quand même, on a quand même un bon rapport poids puissance C'est ça qui est intéressant avec la déduction. Alors, là, la CLA Shooting break qui est magnifique, il n'y a pas que ça chez Mercedes. Donc, on se rend compte que la MG GT, qui est la super voiture installée ici à l'avant, ça, c'est encore du produit. Mercedes très haut de gamme. Alors, la, la, la presse, euh, facile, enfin, c'est vrai que c'est très facile. L'arrière, c'est l'arrière d'une Porsche. Et moi, je dis, c'est peut-être le meilleur des deux mondes, en fait, quelque part, cette signature à l'arrière. Alors, c'est quoi cette voiture faramineuse C'est quasi euh, un concept car qu'on a mis sur la route ben, C'est exceptionnel parce que tout ce qui se dit, c'est que Porsche, ben, je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord, euh, avait le, la main euh, veux sur ce genre de modèle. Et c'est la première fois que reconnu par des pilotes d'envergure, euh, que Mercedes rentre pour la première fois dans cette catégorie et est déjà très bien placée. Donc, on a une voiture exceptionnelle. C'est un V8, c'est plus de 400 chevaux, ça ronronne comme pas possible. Je pense que tous les puristes, tous les amateurs bah, vont se retourner sur ça. Je ne veux pas, euh, je veux dire, euh, aller contre l'avis de certains experts, mais je pense que elle va marquer. Un excellent reportage où on a confronté justement cette Mercedes à la référence Porsche sur l'émission Automoto qui était vraiment quelque part une présentation. On ne pouvait faire mieux. On ne va peut-être pas trop s'étendre sur le super sport puisque malheureusement, ce n'est pas la toute grosse demande de Monsieur Tout-le-Monde et du, du patron d'entreprise. Par contre, je vous invite, c'est sur le site de chez Mercedes, il est tout à fait impossible que vous ne trouviez pas votre modèle par rapport à votre budget et par rapport à votre déduction. calcaire. ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quand même plusieurs générations Mais Tout à fait, c'est depuis 2001 et la reprise... Euh, je veux dire, de déconcession Calcheur par euh, Mikael et Andreas Calcheur. Euh, en 2001, c'est la sixième génération qui a emboîté le pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est peu commun dans le milieu d'automobile euh, et en général, euh, je veux dire, dans tout ce qui est entreprise. Et ils ont pour, euh, pour but de, de pérenniser, d'avancer. De, de, et la preuve est avec le, la dernière, euh, je veux dire, euh, pépite d'ailleurs, parce que j'appelle ça la pépite d'ailleurs, avec un superbe showroom qu'on a eu l'occasion de visiter et que tu as vu. Et ici, euh, depuis, euh, je veux dire, 2011, on a un nouveau showroom qui a été réalisé sur Verviers. Et je pense qu'il est au même titre que les autres, prêt à accueillir un maximum de modèles. Pour que les clients se sentent vraiment à l'aise et puissent euh, voir, je veux dire, tout ce que propose Mercedes. Et Dieu sait s'il y a des modèles. Hein. Quel est le véhicule Mercedes qui est, qui est le plus vendu en fait euh, on, La tendance depuis euh, début 2015, euh, le CLA, la, la, la CLA et la, la GLA ont très très fort marché pendant le salon. Ça a été deux modèles phares. Maintenant, euh, c'est un peu logique parce que c'est deux modèles assez récents dans, dans, je veux dire, la gamme Mercedes mais ça en appelle d'autres. Et dont le Shooting Break, c'est là qui va être une vraie réussite. Donc la Mercedes de papa, c'est quasi terminé. Maintenant, on est arrivé dans des véhicules beaucoup plus sportifs, auquel on a créé pas mal de, de gamme. Alors moi, je suis très content de, 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 de parler de CalShower, parce que CalShower est également une concession qui peut vous fournir, c'est facile, une Smart jusqu'à 44 tonnes. C'est certain que ce soit dans l'utilitaire léger, que ce soit dans le lourd ou dans le super sport, il y a forcément votre place ici. Donc je vous invite à revoir, ça s'affiche en bas de page, le site de chez Calcheur. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire un essai véhicule. C'est tout à fait oh, impossible à choisir son véhicule sans cela. Et il y a une équipe très performante derrière vous. Alex, grand merci. Bonne fin d'après-midi. Je vous invite 3 fois www.max25.be l'agenda pour la réunion suivante. On parlera pas Mercedes, on parlera de véhicules anciens, mais je vous assure qu'on va bien s'amuser. Tour de table Max 25 ici. Tour de table. Le vin est bon, je vous le dis, c'est pas parce que c'est le vin Max 25, mais il est très bon. Un qui est tout aussi bon est à côté de moi, c'est Romain Simard, Copissime. Je disais tout à l'heure que c'est le météorite de Max 25. Alors Romain Copissime, c'est une histoire relativement récente, et pourtant ça date déjà d'il y a quelques années. Tout à fait, j'ai commencé mon entreprise il y a 5 ans, lorsque j'avais 16 ans. Et euh, au départ, je faisais des impressions de type photocopie. Et maintenant, je me dirige vers des impressions de type offset, donc des, des catalogues et, et tout ce qui s'ensuit catalogues, flyers, cartes de visite. Euh, ici, je viens de me lancer je viens de passer une étape euh, assez importante où je me lance sur Internet. Donc, je vends tous mes produits directement sur Internet. Euh, mon secteur, mon, je veux dire, je, je me concentre fort sur euh, la région liégeoise et un petit peu plus euh, hors-liège, hors Liège, donc la Wallonie, etc. Mais l'année prochaine, je vais commencer à m'attaquer à la France, euh, au Luxembourg et alors à la partie néerlandaise de, de Belgique et ainsi que les Pays-Bas. Alors. Le plus facile, 3 fois Nous, en tant que client, nous, nous savons la réactivité de Romain Simard. Et évidemment, c'est une force quelque part, puisque c'est une personne, deux personnes maximum, qui s'occupe de votre produit, de votre service. 3 fois W, ça s'affiche en bas de page. Envoyez un petit mail, posez la question, parce qu'au niveau de la vitesse d'impression, de la qualité du service après-vente, c'est agréé, Max 25. Un grand merci. On va terminer par le dessert et Dieu sait si c'est un excellent. Le roi du chocolat, le roi de la praline à Verviers, c'est la maison sève. Alors Christophe Sève, content de te voir ici. Réunion Cacher, ça fait déjà quelques temps qu'on ne t'avait plus vu. Tu es toujours de la praline, ça euh, on le savait. Alors la praline de la maison sève, ça date depuis quand ça ben, Nous avons débuté en 98. Donc maintenant, ça fait déjà 17 ans que nous sommes installés et ça continue à suivre son petit bonhomme de chemin. On continue à évoluer, à faire de nouveaux produits. Euh, ici, dernièrement, on a fait des pralines au citron vert, au poivre de Cayenne et nos caramels salés. Alors le marché de la praline, c'est quand même un marché fort délicat, une concurrence euh, énorme. Alors pourquoi acheter Donc c'est la petite question qu'on ne pose pas, mais vous savez tous que j'aime poser la question. Question pose pas, donc qu'on va quand même poser. Pourquoi acheter les chocolats à la Maison Saint plutôt que chez Dupont et je ne vais pas critiquer le, la fabrication industrielle parce que j'ai pas mal d'amis qui ont leur société de plus grande importance que la mienne, mais on a un travail évidemment artisanal. Donc on travaille à quatre à temps plein toute l'année, on a un peu plus pendant les feintes. Euh, moi je suis dans l'atelier, hein, je me libère ici exceptionnellement, donc on essaye de travailler avec des matières premières de qualité et un produit fini qui est forcément de qualité à un prix, j'ai envie de dire. Important mais raisonnable par rapport à d'autres marques beaucoup plus connues. Donc le but c'est d'avoir vraiment un, un départ de la fève de cacao jusqu'au produit de vente, au produit fini que nous, nous, enfin, nous suivons tout de A à Z. Alors le chocolat c'est bien, mais les perspectives de marché c'est quoi euh, nous, Continuer à évoluer cette année le chiffre d'affaires a enfin continué à, à augmenter l'année prochaine je pense que ça va aller nous continuons à chercher de nouveaux clients hors province donc nous puisqu'on a une petite chocolaterie la majorité de notre clientèle est dans la province de Liège il est vrai qu'on essaye de chercher de nouvelles sociétés pour les cadeaux de fin d'année ou même à Pâques tout est envisageable on peut alors faire des logos personnalisés sur les, les cadeaux de fin d'année ou les cadeaux de Pâques donc en dehors de la province pour l'année prochaine. Alors justement, euh on va en l'utile de l'utile et agréable. D'abord, je peux dire que cette société, on peut mettre le cachot au-dessus de la page. Agré Max25, on peut le mettre maintenant. Pourquoi Parce qu'on a eu la chance de goûter les produits de la, de la maison sève. Et puis, pourquoi pas créer la praline Max25. Tout du moins pour les impatients, dans le courant du mois d'avril, le 23 avril, à la prochaine réunion Max25, on aura eu la chance de déguster, de redéguster les pralines artisanales. On en a bien dit, les pralines artisanales de la maison sève. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, bas de page. Vous allez avoir le site internet. N'oubliez pas, vous, entreprise PME, cadeaux de fête de fin d'année, cadeaux d'anniversaire. Il y a des packages qui sont tout à fait prévus, qui soient collés à votre demande par rapport à la société de Christophe. Et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous servir les, les balentins de pralines de la Maison Sèvres. On continue notre tour. Christophe, grand merci. Merci à toi. À bientôt.